que ça va. Petite vidéo pour vous annoncer que faut pas qu'elle soit jalouse. L'Alhambra 4F est arrivé pour les 40 ans. Bien sûr, une guitare que je connaissais très très bien et que j'adore et que j'avais jamais achetée. Ou plus particulièrement, qu'on m'avait acheté. Car pour la petite histoire, je transmets, ça a été l'anniversaire de mes 40 ans. Des vidéos, des photos, c'était ce week-end, là, le week-end qui vient de passer d'octobre. Lorsque vous regarderez la vidéo, vous verrez. Grosse fiesta pour les 40 ans, ça se fête. Prestation concert pour les 40 ans, comme ça avec mes proches et les amis. On a fait la fiesta et le petit cadeau est arrivé. Une de plus, une flamenca. Donc, plus particulièrement, moi, la Alhambra 4F, je la kiffe. Son pur, depuis des années. Cette guitare, pas besoin des fois de se faire plaisir et de mettre dans une guitare à je ne sais pas combien, 1000, 1005, non. Moi, rien qu'une Alhambra 4F, c'est le summum pour moi. Au niveau des compas, c'est personnel, je me sens très, très, très bien. Pas amplifié, mais possibilité bien sûr de l'amplifier, je l'amplifierai un peu plus tard. Mais le son pur comme ça qu'elle dégage, les petits compas, bien rabaissés, de bons réglages d'Alhambra, elle me convient parfaitement. Bien sûr, lors de la prestation de concert, je n'ai pas joué avec. Mais maintenant, coup de cœur sur l'Alhambra 4F, il y aura beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos avec l'Alhambra 4F. Elle correspond et c'est pour ça que j'en ai beaucoup, beaucoup parlé de cette Alhambra 4F. Pour un niveau déjà, même débutant, un petit peu confirmé quand la rumba, on sait que ça plaît, n'hésitez pas sur la 4F. Après, il y a moins cher, bien sûr, car elle a augmenté. À l'époque, il y a au moins une belle dizaine d'années, j'ai failli l'acheter. Elle était dans les 400. Maintenant, je crois qu'elle avoisine les 590. Super gratte. C'est magnifique pour moi comme cadeau. En plus, un cadeau de plus. Sachez que toute ma collection de guitares, on peut remercier ma femme que j'aime pour la vie. En fait, si on fait le résumé, Alhambra 4F. Donc, il y a quelques jours. Ma femme me l'a acheté. En notre flamenca, donc anniversaire, en notre flamenca édition Frankie Joe Texier, notre ami, mon ami de longue date, maintenant ça fait depuis plus de 15 ans que je le connais, avait sorti à une époque de Barcelone via un luthier qui avait fait une série guitare flamenca d'études. Donc pour être débutant, même confirmé, eh bien, elle vieillit très très bien. Modèle Juan Lopez, on ne peut plus la trouver. Deuxième flamenca à Noël, ma femme me l'a offert, magnifique. La Cremona que vous connaissez, Cremona, très bonne guitare flamenca, Cremona amplifiée, Cremona Rosa Luna, magnifique aussi, vous la voyez très 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 souvent dans les vidéos. Encore anniversaire, cadeau de ma petite femme. Trois flamenca purs. Quatrième guitare Alhambra, et là aussi j'y touche, toutes particulièrement ont une petite histoire, mais l'Alhambra, d'un coup j'ai un bug, oui, 3CCWE1 électro, a appartenu, vous verrez la photo, lorsque c'était pour Noël, ma femme aussi, cadeau de Noël, Alhambra 3C, mais elle a appartenu pendant un moment à quelqu'un, c'est pas une pure flamenca, mais elle a été un peu rabaissée, très bonne, c'est du Alhambra. Elle appartenait à quelqu'un. Regardez la photo. Là, je la mets là ou là. Lorsque je l'avais prise le jour, un petit peu avant Noël, sacré cadeau, elle a appartenu. Et je l'ai rencontrée lors de l'achat de la guitare. On a partagé un moment ensemble. Elle a appartenu à Ray Baliardo, l'enfant sauvage. Ceux qui ne connaissent pas, quand même, un grand monument de la musica gypsy. Voilà, quatre petites guitares, trois flamenca pures. Je pense que là, pour mon compte, j'en ai quand même tranquillement. Maintenant, pour mon compte, j'en ai pour un moment. Là, je vais me régaler à enregistrer beaucoup de vidéos pour vous. Il va y avoir, je vais essayer de partager, des amis ont filmé, je vais essayer de choper des vidéos et vous mettre des extraits sur la chaîne, des extraits lorsqu'on jouait pour l'anniversaire. Et voilà, et ça va être le feu et je vais me régaler avec cette petite guitare. Voilà,
prochainement vidéo avec l'Alhambra 4F et bien sûr les autres, sinon elles vont être jalouses. Allez!